Oui. Rappel des faits. Rappel des faits avec Noël Le Graët, qui déclare donc aujourd'hui, au détour d'une interview, qu'il en a rien à secouer, je le cite, de Zinedine Zidane et de l'avenir de Zidane. Bon, parce que la question lui a été posée avec la possibilité qu'il puisse être le sélectionneur du Brésil. Et qui raconte que si d'ailleurs Zidane l'avait appelé, ce qui n'est pas le cas, Le Graët le confirme, l'avait appelé pour prendre l'équipe de France, il ne l'aurait pas pris au téléphone. Ça déjà, première déclaration assez forte qui suscite le débat. Mais quelques minutes plus tard, sur son compte Twitter, et là il y a presque 5 millions de vues hein, quand même sur le compte Twitter de Kylian Mbappé. Il est en vacances, Kylian Mbappé, il répond tout de suite, on ne touche pas à l'icône, Zidane c'est une légende, on ne fait pas ça, un président ne peut pas faire ça. Mmh. Est-ce qu'on est à l'aube, Nabil Djellit, d'une nouvelle affaire qui est en train peut-être d'enfoncer un petit peu plus le climat, détériorer un petit peu plus le climat qui règne à la Fédération française de football, dans le football français, et autour notamment de la personnalité de Noël Le Graët? Bah oui, parce que là, Noël Le Graët a fait une erreur qui me paraît presque fatale, de s'en prendre à quelqu'un qui est au-delà de tous les clivages, qui est au-delà de tout, qui fait partie du patrimoine national, disons-le clairement. Zinedine Zidane, c'est une fierté pour la France et les Français. C'est le joueur qui a en partie permis à l'équipe de France de devenir championne du monde. C'est un joueur qui a porté fièrement les couleurs de la France, qui est revenu, qui était en retraite, qui a arrêté, qui a mis fin à sa retraite pour revenir et pour porter l'équipe de France en finale d'une Coupe du Monde. C'est aussi un entraîneur à succès au niveau mondial, qui a réussi un exploit unique dans l'histoire du football, c'est de remporter 3 Ligues des Champions consécutives avec le Real Madrid, le plus grand club de l'histoire du football. C'est Marseille, c'est plein de choses, Zidane, c'est aussi une histoire de France. C'est quelqu'un qui est quasiment irréprochable, qui est une icône. Le seul bémol qu'on pourrait trouver, éventuellement sa sortie en 2006 avec ce coup de boule, pour lequel on pourrait débattre évidemment. Mais pour le reste, c'est clean sheet comme on dit. Et là, franchement, ce qu'a fait Noël Le Graët, pardon, qui est président, rappelons-le, c'est même pas un journaliste, c'est pas un influenceur, c'est pas un éditorialiste, c'est le président de la Fédération française de football. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un CSC, un contre son camp, qui s'en prend contre peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football français, en disant que ce qui pouvait lui arriver n'en avait rien à secouer, voilà, qu'il devienne sélectionneur du Brésil ou pas. Il s'en fout. Pire que ça, le mépris. S'il l'appelle au téléphone, je le prends pas. Bonjour la courtoisie et bonjour l'éducation. Incroyable. Je lui réponds pas au téléphone. Bon, déjà Zidane ne comptait pas l'appeler, j'imagine. Mais bon, ça vous dit quand même le dédain. Alors, on peut trouver des circonstances atténuantes à Noël Le Graët, j'espère en trouver. Mais là, pour moi, il a été trop loin, en fait. C'est-à-dire que, vous avez raison, il y a un environnement qui est exécrable depuis quelques temps. Ravière en parlera mieux que moi, parce qu'ils ont fait une enquête chez SoFoot. Il y a un climat, quand même, un peu particulier aussi autour de la prolongation de Didier Deschamps. On peut toujours en débattre, mais la manière dont on le prolonge, bon, on a l'impression que c'est plus un héritage monarchique qu'autre chose. Donc, voilà, tout ça cumulé, et là, on est là, Noël Le Graët a décidé de faire un strike. Il s'en prend à Zinedine Zidane. Et à mon sens, ça ne va pas passer. Et puis, pour moi, c'est un peu le baiser de la mort, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est, à mon avis, là où on bascule, non pas dans l'irrationnel, mais dans le rationnel, puisque je pense que lui, il est en partie dans l'irrationnel, malheureusement. Kylian Mbappé, qui est aujourd'hui le meilleur joueur français, un des 3 meilleurs joueurs au monde, si ce n'est plus, enfin voilà, qui, publiquement, recadre pour moi, sèchement. Totalement. Qui recadre sèchement son président, pas son entraîneur, son président. C'est-à-dire que l'autorité, elle n'existe pas. Et qu'en pense Deschamps? Et Deschamps, qu'en pense Didier Deschamps, qui a remercié et qui a embrassé comme du bon pain Noël Le Graët pour l'avoir reconduit jusqu'en 2026. Et tout ça, pour terminer, recontextualisons un minimum, avec un environnement où le président de la Fédération française est visé, avec un audit qui a été commandé par le ministère des Sports sur la gouvernance et d'autres aspects du fonctionnement de la Fédé. Bon, bah, je sais pas si Netflix a pensé à faire une série autour de ça, mais franchement, entre nous, il y a du matos, hein. C'est clair. Ah, mais c'est un scénario, je vous le dis, d'un point de vue éditorial,
on se régale. Pour nous, c'est du pain béni. Non, mais attendez, pour une émission de radio, un talk comme c'est ça, honnête, qui parle de foot, non, mais je vous le dis, c'est génial d'avoir une matière comme ça, plutôt que d'avoir l'omerta, des gars qui font de la langue de bois, qui te sortent rien, t'es obligé de creuser pour avoir des informations. Là, c'est génial. Ça, c'est des déclarations aussi fortes que ce qu'a pu dire, alors c'est un autre contexte, mais Anelka, notamment en Afrique du Sud, ou Cantona, à l'endroit d'Henri Michel, il y a quelque temps, qui était le sélectionneur. Oui. On est quand même dans cette qualité-là. Alors, c'est pas le même degré de vulgarité, mais on est quand même dans cette teneur de propos et surtout d'attaque directe à l'endroit de personnes qui méritent le respect. Enfin, je pense que Zinedine Zidane. Mais qu'est-ce qu'a fait Zidane pour mériter autant le respect? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter autant de mépris? Je vous pose la question. Même 2006, je vais vous dire, Nabijid. Même 2006. Les Français lui ont pardonné. Oui, je suis d'accord. Parce qu'ils aiment Zidane. Jacques Chirac le premier. Ils aiment Zidane, c'est-à-dire qu'ils ne l'auraient pas pardonné à un autre joueur parce qu'ils l'apprécient moins, parce que il peut y avoir des délits de faciès, il peut plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Zidane, les gens l'aiment. Il est populaire. Donc il peut faire ce qu'il veut, il peut redonner trois coups de boule à Materazzi, les Français vont lui pardonner. Donc on ne touche pas à Zidane. Mbappé a raison. Mbappé, en fait, il a tout dit. On ne touche pas à Zidane. Tout simplement. Et là, Noël Le Graët, Javier Prieto Santos, a encore dérapé. Il a encore dérapé, effectivement. C'est pas la première fois. Et je pense que c'est un monsieur qui... On parle de retraite à 64 ans. Je pense qu'il, pour le coup, il devrait prendre sa retraite. Et il aurait dû la prendre bien plus tôt, parce qu'il accumule les saucisses, il accumule les erreurs de communication. Franchement, je m'interroge sur la nécessité de la violence de son propos. Violence, entre guillemets. Est-ce qu'il s'en rend compte, en fait? Mais je pense même pas qu'il s'en rend compte. Pour lui, il est sans filtre, il est hors sol, et son service de communication doit se tirer les cheveux, parce que j'imagine qu'à la Fédé, ils doivent pas valider du tout les propos, ou en tout cas la manière dont il le raconte. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure à Luc en off, il a 10 000 manières de dire ça, et il choisit la pire. Quel est l'intérêt d'aller s'attaquer, tu l'as dit Nabil, à une icône comme Zidane? Et Zidane, surtout, je pense pas qu'il va répondre à cette attaque. Ah bah non. C'est pas quelqu'un qui va dire, qui va alimenter le feu. Non mais attendez, Mbappé l'a fait pour lui et je pense que Mbappé l'a fait pour toute lui. La caravane va le faire dans les prochaines heures. Exactement. Donc il est tranquille. Hein. Mais Le Graët, si on récapitule son passage à la FFF ces derniers mois, c'est le racisme, ça n'existe pas. L'homophobie, ça n'existe pas, ou en tout cas, c'est pas une de nos priorités. Le bracelet Love United, il est hors de question qu'on le pose. L'équipe de France est allée au Qatar, a fait une super compétition, très bien, mais les Bleus, c'est pas juste. Les Bleus, c'est pas juste un cours de PS. C'est-à-dire que la France est quand même un pays qui se prévaut d'être le pays des droits de l'homme. Et on va là-bas et on parle pas des migrants. Oui, c'est juste un coup de peinture, juste avant le mondial. Le réchaud, on va le changer par une gazinière. Mais il est où, là? En fait, c'est la communication. Parce que je me permets de dire quand même, Javier, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je me permets quand même de dire, puisque vous êtes en train de faire le bilan, en quelque sorte, de Noël Le Graët, c'est vrai qu'il y a un florilège de déclarations qui sont totalement surréalistes, mais en tant que président de la fédération, il y a quand même un bon bilan. Un droit de reste. Il a fait rapporter beaucoup d'argent à la fédération. Alors, pardon, il y a le titre de champion du monde, pardon, le développement du football féminin. Enfin, voilà. Il a quand même un bilan, Noël Le Graët. Évidemment. Après, il y a les déclarations intempestives. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que l'équipe de France a fait un super tournoi. Oui, d'accord. Finale. Le bilan de Noël Le Graët. Le bilan de Noël, très bien. Voilà. Le bilan de Noël Le Graët, très bien. Par contre, j'ai entendu dans une autre radio un confrère dire. Mais écoutez, tout n'est pas noir, parce que le Noël Le Graët a ramené un contrat de 80 millions, a signé un contrat de 80 millions avec Nike. Très bien, mais donc ça fait tout oublier. Ça fait oublier tous ces dérapages. Donc il vit dans un monde, il n'y a pas d'homophobie. Il vit dans un monde, il n'y a pas de racisme. Pour lui, il n'y a aucun problème d'homophobie dans les vestiaires ou dans les stades. Oui, c'est du folklore, les OIS. Mbappé, écoutez, c'est un petit jeune, il a le droit de s'énerver, mais parce que les droits d'image, c'est géré de manière amateur. Et là, Mbappé, encore une fois, du haut de ses 20 ans, enfin, du haut de ses. Je ne sais même plus quel âge il a, parce que j'ai l'impression qu'il est là depuis 10 ans. Mais.
Mais il ne devrait même pas intervenir. En fait, le président a, normalement un droit de réserve. Non, et M. Noël Le Graët, encore une fois, est hors sol et se permet de balancer, de recadrer tout le monde, non, la présidente, surtout, il travaille en Zidane. Solitaire. Il travaille seul. C'est parce incroyable. C'est vrai, sur la nomination de Deschamps, il était au courant, mais lors du COMEX de samedi, puisque Deschamps a été officialisé dimanche, il n'a rien dit à personne. Et la négociation des primes avec les joueurs de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, il l'a fait aussi tout seul. Et il n'est pas impossible que si la France avait gagné la Coupe du Monde, ce qu'il pouvait être alloué par la Fédération aurait été très vraisemblablement dépassé. Je prends des pincettes et je le dis au conditionnel, mais c'est vrai que la gestion aujourd'hui, c'est une gestion solitaire de la part de Noël Le Graët. En fait, il gère aujourd'hui le football français et la Fédération comme il fait des déclarations sur Zidane ou sur la ministre des Sports. Donc, comme une propriété filtre, privée, effectivement. Surtout. Oui, c'est vrai. Une confiscation. C'est vrai. Il y a une confiscation. C'est ce que disait Grégory Schneider hier sur la fontaine. L'équipe de France n'est pas un bien commun, il a très bien et si on apprend que l'entraîneur de la Corée du Nord est nommé par une seule personne, on dirait c'est normal, c'est une dictature. Votre sentiment, Luxonor, parce que c'est vrai qu'on marche un petit peu sur des œufs tout de même, qu'on n'a pas envie de tirer à boulet rouge sur l'ensemble du football français qui semble en interne bien malade. Sur l'enquête de SoFoot, vous l'avez déjà fait avec SoFoot. On l'a déjà fait avec SoFoot et je me retiens parce que j'ai un droit de réserve par rapport à notre histoire, à cette enquête. Puisqu'il y a eu une plainte de la part de la Fédération française de football. Il y a eu une plainte, ils ont mis du temps à nous l'envoyer, ils y ont réfléchi. Mais la plainte a été déposée. La plainte a été déposée. Vous avez reçu le petit papier bleu. Et je pense qu'ils vont recevoir d'autres petits papiers de notre part aussi. Nabil Djellit. Alors le micro de Nabil, voilà, allez-y. Alors, il faut suivre aussi le Twitter de la ministre des Sports, que je viens de... Ouais. Je suis abonné. Oui, vous avez raison. Et je pense qu'on n'en a pas fini avec cette histoire, parce qu'elle réclame des excuses à Noël Le Graët. Mais elle a raison. Mais encore une fois, je viens de le dire, mais... Noël Le Graët est complètement pour Zidane. Non mais attendez, parce que Zidane Luc, il n'est pas assez grand pour aller demander. Mais il va pas le faire. Il va se rabaisser Zidane. Au pire, il va dire c'est bien. À faire une déclaration, une punchline pour à Noël Le Graët. Il est au-dessus de ça. Zidane. Il peut surtout mesurer sa popularité. Attendez Luc. Ça va vous parler parce que c'est plus votre génération. Platini, c'est un grand joueur. C'est un monstre. C'est peut-être l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Et pas que français. Imaginez qu'un président de fédération ait dit ça à l'endroit de Platini. Vous auriez réagi comment, Luxonnant? Non, mais j'aurais eu peut-être la même réaction que Mbappé. Ah voilà. On ne parle pas de Platini. Touche pas à la légende. Pelé. Est-ce qu'on peut insulter Pelé? Là-dessus, on est entièrement d'accord. Là-dessus, je n'ai aucun problème. Là où je trouve ce débat-là un petit peu. Compliqué, c'est... Moi, j'ai joué au foot, j'ai toujours entendu on ne change pas une équipe qui gagne. C'est bien ça, ça a toujours été la phrase. Non, ça d'accord. Non, mais ça a toujours été la phrase. Et jusqu'à aujourd'hui, cet homme-là, quoi qu'il ait fait, quoi qu'on dise de lui... Il n'y a pas toujours gagné. Mais si, il gagne. La preuve, il continue avec son entraîneur. Mais Noël Le Graët, il nous a offert aussi Raymond Domenech. C'était pas que des finales et des euros et des étoiles cette année. Mais encore heureux qu'il peut faire des erreurs. J'ai l'impression que Noël Le Graët nous a ramené 8 étoiles. Domenech, il est en finale de la Coupe du Monde 2006. C'est un échec pour vous, ça? Non, c'est pas un échec. C'est pas un échec. Mais ce qu'il a fait avant, c'est des échecs. Laissez finir, Luc. On nous a offert Domenech. Bon, t'as offert Domenech, t'as amené en finale la Coupe du Monde. Le problème, c'est que vous retenez que ce qu'il a fait de mal. C'est Zidane qui a amené en finale. Ça, c'est bien français, ça. On retient que c'est que le mal. On ne voit pas le bien qui a été fait au préalable. Et c'est ça qui me dérange. Oui, mais les résultats... Noël Le Graët, aujourd'hui, il est fragilisé, il a ses problèmes. Moi, je suis là pour défendre personne. Je m'en fous complètement, je m'en fous. Chacun mène sa vie. Oui, mais tu peux mais pas quand même, il y a un moment donné, il faut aussi se mettre dans l'idée que... Il y a eu des choix à faire, il y a eu des décisions qu'il a eu à prendre, il les a prises, il faut croire qu'elles étaient bonnes, puisqu'aujourd'hui, on a gagné des Coupes du Monde en finale. Laissez finir, Luc. Et sur le coup de Zidane, je vais embrayer puisque j'ai la parole, sur le coup de Zinedine Zidane, je ne suis pas persuadé que ce gars-là, il ait dit ça pour rabaisser Zizou. Je ne pense pas. Il a un énorme respect pour Zizou, je peux vous le garantir. Et je ne dis pas que ce gars-là, il a fait ça. Seulement, il s'est retrouvé. On lui pose la question, Didier Deschamps, mais Zidane. Mais c'est normal qu'il se retrouve dans une situation compliquée, dans le sens où, même avant de partir, c'était déjà prévu avec Didier Deschamps qu'il prolongerait si. Non, mais ça, sur ce point de vue-là. On est bien d'accord. Non, mais c'est la maladresse. C'est peut-être de la maladresse.